Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de live sur Flight Simulator pour cause de bugs, de crash et de démotivation un petit peu, voilà. Bah sauf si ça plante ce soir, normalement ça devrait bien se passer. Hein. Vous savez quoi? On va faire Toulouse-Marseille. Et ben on va décoller de Catherine. Enfin, oh, ta gueule, de la borde. Arrivé à Marseille, et ça nous fait 1h30 de vol, ce qui est beaucoup trop long, disons-le, j'ai pas envie de faire 1h30 de stream sur un seul vol. On va prendre un avion bien plus, voilà, le Cessna Citation, si vous voulez, un petit avion de luxe pour que toute la même compagnie puisse rentrer dedans. Ah, et au fait, on est du coup chez Big Feoli, les frérots, là. Vous pensez ils sont à Toulouse, là, ou pas? Parce que du coup, ils ont pris du recul, j'ai vu, hein. Alors, le frein de parc, bah, il est déjà serré. Levé de puissance, faut le mettre... Bah, c'est bon. D'accord. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ah, interrupteur de la batterie, il faut l'allumer, bien évidemment. Ah non, je suis pas à Toulouse. Mais si, on est à Toulouse, gros. Mais on est à Toulouse, qu'est-ce que tu me racontes? Non, Toulouse, c'est Blagnac. Mais gros! Mais gros! Genre, mais gros, je suis à Toulouse, gros! Il y a plusieurs aéroports à Toulouse, s'il te plaît. Aérodrome de Toulouse, la borde. Toulouse, c'est ça. Tout ça, c'est Toulouse. Allô? Voilà, donc je suis à Toulouse. Oh merde, je m'étais trompé de sens depuis le début. Interrupteur général, on le règle. Et voilà, c'est fait. Bouton de démarreur droite. Bah, you, mon pote. C'est ça. On appuie dessus. Enable. C'est pas ça qu'il faut faire. J'ai rien compris. J'appuie, j'ouvre. D'accord. Run. D'accord, c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Je sais pas. Ah si, c'est bon. Fallait attendre. Hop, je referme. Ça, il faut surveiller l'ITT, je sais pas quoi. ITT N1. Eh ben je surveille. Démarrage du moteur gauche. Hop, j'ai compris comment on fait. On appuie dessus. Voilà. Plus que 3 boutons à faire. Interrupteur général. Hop, on le l'active pour qu'on allume les écrans, bien sûr. Ça, j'ai compris ça. Évidemment, éclairage, le beacon de Minecraft, le strobe parce que c'est la discothèque et les lumières, les les fardels, d'accord. Et il manque encore des boutons. Je peux allumer celle-là hein. Moi ça me coûte rien. Ah bah voilà. Il fallait que je les allume tout à l'heure qu'il m'en a dit donne... Bon bref, je comprends pas. Le frein de parc, on le relâche, mais je vais vite le remettre parce que sinon on va repartir au quart de tour. Voilà, c'est terminé. La checklist est finie les amis. Notre avion est prêt. Je regarde ici la même compagnie. Alors attendez, non, il y a pas moyen. Voilà, je me décale. Voilà, vous êtes là les abonnés. Coucou, coucou tout le monde. On est parti. Je desserre le frein moteur. Je vais quand même ouvrir la map toute pourrie en bas à droite parce qu'il y a le plan de vol. J'ai réactualisé, c'est BXNO qui va mettre ses messages tous en avant. Allez, on va essayer de rester centré sur la piste, c'est un petit peu complicado. Et on va pouvoir décoller. C'est parti. On décolle, on a du mal à décoller, mais on décolle tranquillement. On rentre les trains. Nickel. On va s'incliner un peu vers la gauche tout en progressant vers le haut. Voilà, on va... Nickel, putain, on va méga vite sa mère. On va rentrer les volets aussi. Enfin, les volets, les flaps, je sais même pas comment ça s'appelle. Je sais même pas si vous voyez de quoi je parle, parce que je suis pas le mec le plus calé, très clairement. Et on va se mettre droit en parallèle de mon plan de vol. Pour le rejoindre tranquillement. Voilà, et on s'incline pas à plus de 30 degrés, hein, l'avion, normalement. D'accord, je vais déjà trop vite, donc on va continuer de prendre de l'altitude. Voilà, on va continuer de monter encore. C'est vrai qu'on est en overspeed, donc voilà. Là, on est en train de perdre de la vitesse, vous voyez sur la jauge en bas, là. En bas à gauche, si vous voyez. Normalement, l'avion est plus ou moins bien calibré, si je l'ai bien fait. On n'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il nous raconte, l'ATC, là? Comment je fais pour afficher l'ATC? Je sais plus c'est quoi le raccourci clavier. Accepter changement de fréquence, bien sûr. Bah voilà, j'ai plus besoin de toucher au joystick. On est tout bon, on est en parallèle de notre ligne. Là, si je regarde ma petite carte sur le côté, je vois qu'on passe au-dessus de Caraman, ou Caraman, pour ceux qui connaissent. La Salvetta, l'Auragais. Je connais pas ce village, mais ça vient de là, l'eau, la Salvetta? Non, c'est plus à droite, la Salvetta, c'est juste un autre village, ça. D'accord. Il y a plusieurs villages qui ont le nom Salvetta dans le nom, quoi, d'accord. Ici, c'est ma jauge de vitesse, qu'on soit bien d'accord. Ma vitesse, c'est écrit là. Donc je suis à 295, et alors l'unité, à chaque fois vous me le dites, et à chaque fois j'oublie parce que je suis un sombre en cul. Nœud ! Donc là je suis à 293 nœuds, si je dis pas de bêtises. Et là vous voyez cette ligne rouge, c'est vraiment là quand tu vas trop vite. Donc je suis quand même à la limite d'aller trop vite. Mais là je suis en train de perdre de la vitesse. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Mais je perds de la vitesse. En tout cas je suis bien droit. Et ça c'est bien. Je perds de la vitesse mais c'est pas bien méchant. Hein. Faut juste contrôler, regardez. Ça hésite un peu à remonter, enfin tu vois. Ah!
Tu vois, je stagne à 288 et là je remonte à 289. Donc voilà, c'est avec le vent et tout. Donc là, je suis vraiment très stable. En plus, quand tu vois la ligne d'horizon, je suis nickel. Je suis pas incliné. En vrai, et putain, et là, c'est bon. Les frérots, là, je peux me faire un café. Je peux aller descendre en bas, me chercher à boire ou quoi. Je suis tranquille là. Là, ça sert même plus à rien de regarder la map. Aucun problème. Ici, c'est l'altitude. Si je dis merde, si je dis pas de bêtises, ça c'est l'altitude. Donc là, je suis à 161 pieds. Oh. Train d'atterrissage, c'est ici qu'on active le train d'atterrissage, c'est fantastique. Bon, moi j'aime bien aussi dans les avions quand il y a les, ben quand les montagnes sont modélisées en 3D aussi quoi, ce qui permet vraiment de voler avec les instruments au grand complet. Si maintenant là on était en plein dans des nuages, que ce serait la tempête, on serait bien dans la merde. On va passer sur le côté droit du parc naturel régional du Haut Languedoc pour ceux qui connaissent. Hop là. Donc ça se passe... Je pense que c'est déjà ces bouts de verdure qu'on voit là. Hein. Je pense. Après, tout doit en faire partie en vrai. Après, c'est vrai que les parcs naturels, en vrai, c'est toutes des grandes parties. On se croirait dans The Forest. Eh bien, XNO, on dirait pas The Forest. J'étais fier d'emmener mon fils prendre l'avion pour visiter des édifices. Merde. Pour ceux qui connaissent Béziers. Béziers, c'est là. Ah ben voilà, c'est ça, Béziers. Salut Béziers, faites du bruit! Ne surtout pas enlever le i. Pourquoi? Sinon ça fait baiser, c'est ça? Et là on a 7. On passe juste au-dessus. Et là c'est le golfe du Lion. Cette année là. Aïe aïe aïe, c'est parti pour les jeux de mots. Liste des aéroports les plus proches. Et moi ce sera LFML. On va faire ça RP. Marseille-Provence, parfait. Province Tower, Cessna Alpha Sierra, X-ray Golf Sierra is 17 miles west with Golf to land. Cessna Alpha Sierra, X-ray Golf. Alors attendez, Provence Tour Intégration, Tour Piste main gauche, Piste 31D. Merde, est-ce que c'est ce que j'ai demandé ou pas? 31D, est-ce que ça colle? Ah oui! R, right, D, droite, j'accepte. Donc il faut que je vienne de là. Parce que c'est de l'anglais en fait. Putain, c'est débile. Donc il faut que je fasse le tour. Il faut que je fasse le tour. Que je fasse ça comme ça. Et que j'atterrisse là en provenance de là. De la 15DML en fait. Et là les puristes les puristes d'aviation, ils sont en train de se mordre les doigts. Ah, il voulait me faire passer autrement. Il veut me faire rentrer par là. Bah c'est pas grave, j'en ai rien à faire. Je fais ça comme moi je le veux. Non, si, on va le faire. Mais en tout cas j'ai eu raison sur ma logique, puisque c'est bel et bien le trajet qu'il est en train de me faire faire. Donc là je vais faire un 8 en fait. Je baisse mes gaz. En fait faut surtout pas piquer du nez aussi. Voilà, je fais un petit peu mon expert. Mais on pique pas du nez pour en fait perdre de l'altitude. Il suffit de réduire les gaz. La première étape qui va consister à descendre ici, ça s'appelle la phase de vent arrière. Ça je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ça c'est la finale. Parce qu'en fait quand on va atterrir en face du vent en fait. Et pour une fois que j'arrive à tout bien faire en vrai. Enfin genre, comment ça rapide. Voilà. Et là niveau vitesse je suis bon là. Voilà, c'est quand t'es dans la... voilà, c'est à partir de là que je peux sortir les trains. Y a pas de trop tard qui tiennent. C'est tout, c'est la dernière ligne droite. C'est ici qu'il faut sortir les trains normalement. Mais maintenant ils sont déjà sortis donc c'est tranquille. Allez, on va essayer de s'aligner correctement. Putain, la pression mon pote. Après la piste est assez grande du coup. Ouais, du moment que tu les mets, c'est clair. Allez. On n'est pas trop mal. Je remets un peu les gaz. Parce que c'est pas ici qu'il faut atterrir. Faut atterrir à partir de là-bas. Oh, il y a un avion qui décolle à notre gauche. Voilà, là je coupe. C'est ici qu'on va pouvoir atterrir. Donc là je fais ça dans les règles de l'art. Les amis, allez, 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 allez. On va faire gaffe à l'effet de sol. On fait l'arrondi, on fait l'arrondi, on fait l'arrondi. J'ai putain de poser les gars. Donc là je vais ralentir tranquille. Ah oui, il faut pas freiner, il faut d'abord s'aligner sur la piste, je me rappelle. Putain les gars, j'ai posé, je suis trop content. Comment je viens de faire ça les frérots. Vraiment. Oh là là, quel bonheur. Quel bonheur, on va se prendre le prochain taxiway. Oh. Non mais ce qui vient de se passer, incroyable s'il vous plaît. Ah là, il faut que je sorte là, faut que je sorte là, faut que je sorte là. Ce qui vient de se passer les frérots, j'ai atterri comme il fallait. J'ai posé en toute douceur, j'ai fait un mini rebond. Alors là je fais genre je suis le taxiway, en plus j'arrive à le faire d'une merveille. Non mais je suis d'une précision ce soir. Les gars, putain elle est loin la porte 17, ça me casse les couilles. On l'a fait, oh je suis content.